Ah. Fidèle à vous-même, mon cher. Jean Poisson, maire de Conné. Et la ministre, Gérard. C'est le soleil qui nous chauffe. Chers, mesdames et messieurs les autorités coutumières de la province nord et du lieu de l'endroit, monsieur le président de l'Assemblée de province, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je voulais, comme le veut l'usage, et au deuxième jour de son séjour en Nouvelle-Calédonie, vous priez d'accueillir Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Elle a tenu à venir dans la province nord, a consacré toute une journée à vous rencontrer, à comprendre et mesurer les réalités géographiques, sociales, ethniques de la Nouvelle-Calédonie, à se pénétrer de l'histoire de ce pays, de la tradition du pays kanak. Elle a voulu le faire en venant avec son parcours personnel. Elle vient de notre territoire, très loin, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux portes du Saint-Laurent. Beaucoup de Canadiens ont travaillé ici donc, et ont contribué à réaliser l'usine du Nord. Et d'ailleurs, cet après-midi, vous lui ferez visiter cette réalisation majeure pour le rééquilibrage et pour le devenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est son premier déplacement en Nouvelle-Calédonie, même si parlementaire depuis 10 ans, elle a connu les affaires calédoniennes à Paris. Elle vient ici pour mesurer ce que sont les enjeux des prochains mois, qui sont importants et qui vont vous mobiliser les uns et les autres, mais aussi pour comprendre ce qui anime et ce qui fait vivre dans la fidélité aux familles, dans la fidélité aux traditions, les gens de ce pays. Que c'est ces enjeux fondamentaux que tous nous essayons d'affronter. Elle a rencontré il y a quelques jours à Paris le président de l'Assemblée de province et ceux qui l'accompagnaient. Elle vient ici aujourd'hui avec le conseiller du Premier ministre pour l'Outre-mer, Xavier Brunetière, qui connaît déjà la Nouvelle-Calédonie. Elle vient aussi avec ses collaborateurs, dont certains sont déjà venus, Rémi Bastille, Henri Soupa, Johan Wayol. C'est eux tous que je vous prie d'accueillir avec elle, puisqu'ils sont à Paris attentifs au devenir de la Nouvelle-Calédonie, aux problématiques que nous affrontons. Voilà. Madame la ministre de Outre-mer, bienvenue ici sur la commune de Conné. Bienvenue en province nord. C'est avec personnellement humilité et respect que je m'adresse à vous au nom du président de l'Assemblée de province et élu du collège de maire de VKB et de la France nord. Devant moi, il y a des autorités coutumières de deux districts qui connaissent le Bakour et le Pointe. Donc, on est honoré de vous recevoir ici en province. On est content, on est heureux de voir la ministre de l'Outre-mer
sculpture. Il a mis liens, comme dans le vidéo, comme ça. C'est dedans que la parole, c'est dedans que les mots s'expriment. C'est dedans que les idées, les caractères, les esprits, c'est dedans que les valeurs, ils sont discutées au sein des conseils, au sein des ensembles, des groupes d'hommes. C'est dedans que ces valeurs-là, ici en commencement, on ne peut pas les aider. C'est très important. Comme je le disais au nom du président, nous sommes heureux de recevoir la reconnaissance du gouvernement français qui discute avec nous, qui échange. Nous sommes heureux de partager avec vous ce qu'il y a ici maintenant en termes de rééquilibrage, en termes de citoyenneté, en termes d'identité nouvelle que nous voulons promouvoir ici comme à travers. Donc cette parole, Madame la ministre, elle est à vous, nous voulons partager avec vous, monsieur le gouvernement. Au nom de l'autorité coutumière, les lieux sont avec nous, puisque vous avez amené le soleil et vous rappelez nous. Voilà, donc il y a toutes ces paroles. Un geste qui s'appelle la Liane, pour le chemin du Canada, l'usine du Nord, ou de la France, à la France Nord et à la mer. Merci, madame la ministre. Monsieur le Président, monsieur le maire, moi je suis très honorée que vous me receviez aujourd'hui. Je me présente devant vous avec humilité, avec respect. Je viens ici vous écouter, vous entendre, mieux comprendre ce qu'est la Calédonie, ce qu'est la province du Nord, ce qu'est votre histoire, votre identité, pour mieux éclairer les choix du gouvernement, les miens, mais ceux de l'ensemble du gouvernement. Ma présence, c'est la présence du gouvernement français, c'est celle voulue par le Premier ministre, par le Président de la République. Je crois qu'il est important et c'est ma vision de ma fonction, de passer du temps à vos côtés. Donc, je voulais aujourd'hui être avec vous, avec l'ensemble de ma délégation, pour échanger, pour parler, pour découvrir, pour visiter aussi ce qui fait également le cœur de la Nouvelle-Calédonie et aussi du Nord, le nickel et son histoire, mais aussi parler d'avenir, parler de l'avenir du nickel, de l'avenir de la Calédonie, du rééquilibrage, de l'avenir de la Calédonie dans le Pacifique, puisque ma vision, c'est bien la vision d'une Calédonie rayonnante dans l'ensemble du Pacifique. Je suis heureuse d'être là et fière que vous m'ayez accueilli. Merci. Ha ha ha.